Il est, de loin, le plus grand champion de l'émission. Bruno a battu tous les records des 12 coups de midi, le record de participation, 229 pour Bruno contre 199 pour Eric. À la deuxième place du classement, le record de gains, il a actuellement à 964 307 euros dans sa cagnotte, le record de coups de maître, il en a fait 84. Soit 22 de plus qu'Eric, et le record d'étoiles mystérieuses découvertes, 9 au total. Il faut dire que depuis janvier dernier, il enchaîne les victoires grâce à ses connaissances qui semblent illimitées. Connaissances dont il n'hésite pas à se vanter, comme dimanche 12 septembre. Alors qu'il affrontait Jérémy. Sur le thème Mylène Farmer, Bruno s'est permis de corriger la réponse de son concurrent. Alors qu'il devait éliminer les propositions qui étaient des titres de Mylène Farmer. Jérémy a choisi Ainsi soit-il, avant d'être immédiatement repris par Bruno, c'est Ainsi soit-je? Tu parles, il connaît tout ça par cœur, a commenté Jean-Luc Reichmann. Ajoutant, vous voyez comment il est finaud? Finaud le renard, ce n'est pas la première fois que le présentateur utilise ce surnom pour le champion. Et ce n'est pas forcément flatteur. Je me suis fait bouffer mes poules, je vous jure. 8 poules d'un coup, je vous le dis officiellement, je déteste les renards. A révélé Jean-Luc Reichmann, très énervé ce dimanche 12 septembre sur le plateau de son jeu. Il m'a bouffé 8 poules ce renard. Vous entendez ça? En un jour a demandé Bruno, c'est quoi? Jean-Luc Reichmann a répondu, non. Non, en une nuit. Il est passé par-dessus, chez moi, pourtant, j'avais mis des grillages à l'envers. C'est chaud, a commenté le champion. Non, c'est pas chaud, c'est insupportable. A lancé Jean-Luc Reichmann. Insupportable comme la supériorité de Bruno? À vous de juger.